Bon, nous sommes avec Makassi. Makassi, alors cet événement karting pour une grande cause, Grégory Lamarchal. Oui, oui, très important d'être là. J'ai enchaîné 6 prestations, j'ai presque pas dormi depuis autant de jours. Et pourtant, bah, j'ai tenu à répondre présent parce que j'estime que faire de la musique, c'est avant tout donner du bonheur. Et ça, je pense que ça en fait partie. Vous allez piloter aussi ? Je vais piloter, mais Xavier Delarue m'a mis la pression. On a fait un tour de chauffe. Le gars, il fait des dérapages, tout ça. Bon, moi, j'ai 12 points sur mon permis, donc tu vois, je vais conduire comme un papa. Ça vous plaît, le karting ? Ça me plaît, ouais, mais à cette vitesse-là, ça va être un peu délicat. Mais je vais faire mon max. Vous vous êtes entraîné un petit peu ? J'ai fait une séance, mais avec ma femme. Mais elle avait un petit peu peur des virages, donc je pense pas que j'ai franchi un palier en termes de pilotage. Mais ça, on va s'amuser, on est là pour ça. Alors, quand on est artiste, comment on choisit les associations ? Ben, en fait, je choisis pas. Le seul truc important que je demande, c'est à mon manager d'enquêter sur comment il reverse les fonds. Et à partir de là, s'il me dit ça va vraiment à l'endroit qui est prétendu, ben en général, si je peux être là, je suis là. Il y a d'autres grandes causes qui vous tiennent à cœur ? Ouais, là, je vais faire le gala du hérisson dans pas longtemps. Sur mon album, il y a une chanson qui s'appelle Mama Sida, donc qui parle du sida. Il y a une chanson qui s'appelle Witness, qui parle de la maltraitance des femmes. Et je vais ressortir un morceau qui s'appelle Sort du silence et la maltraitance des femmes. Parce qu'aujourd'hui, bah, les gens, j'ai une petite notoriété, donc je préfère m'en servir pour aider, amener ma lumière sur ces choses-là. C'est la moindre des choses, je pense. Et puis vous allez faire un show hein, là-bas. Bah, je vais juste chanter doucement. Tu vois, je l'ai appris hier dans la nuit. Grégory, il m'appelle, il m'envoie un texto, il me dit « N'oublie pas ton PBO ». Je lui dis « Non, mais tu te rends compte que je viens de faire 6 concerts ?» Il me dit « C'est pas grave, s'il te plaît, fais-le, tu chantes ce que tu peux. » Donc voilà, la voix est un peu abîmée aujourd'hui, mais bon, si ça peut faire plaisir, moi, il n'y a pas de problème. Bon, alors, l'actualité de Makassi. L'actualité, c'est toujours cet album, 40 000 ventes. On rêve d'atteindre le disque d'or, ce serait très beau sur un premier projet. Mais après, ça dépend des fans, ça dépend des médias. Et c'est vrai que là, on a été un peu moins présent sur les médias, donc ça s'est ressenti dans les ventes, ça a ralenti. Maintenant, 10 000 ventes, c'est faisable sur une carrière. Qu'est-ce qui fait le succès de Makassi ? Ce qui fait le succès de Makassi, je pense, c'est avant tout la musique, parce que moi, je suis arrivé à la musique par les fans. Donc c'est eux qui ont partagé mes premiers textes sur la maltraitance des femmes, sur un petit peu tous les sujets. Après, j'avais déjà un public quand j'ai fait un morceau musical. Donc Zouk et Moins Doudou, un remix de Old You, sur le love avec une petite chorégraphie. J'ai compris que la chorégraphie et le love, c'est ce que les gens attendaient d'un artiste, disons, africain. Donc on a fait notre Doucement qui était à nous et ça a fait 20 millions de vues assez rapidement. Maintenant, comme je t'ai dit, ce qui a plu, c'est que les gens, quand ils ont gratté dans la carapace grâce à l'album, ils ont découvert des morceaux comme Tant qu'on respire, qui parlent des huissiers, des expulsions, de l'exclusion, des morceaux comme Soldat, qui a beaucoup tourné en télé, qui parlent de l'éducation et de la réelle existence de ce fameux ascenseur social. Et comme je t'ai dit, Mama Sida sur le sida et tout ça. Et d'autres morceaux de joie comme C'est Bouel Beloka, Femme on vous est, Danse, 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 qui tourne en ce moment en radio partout. Donc voilà, quoi. Je pense que le succès, c'est que je fais de tout et que chacun trouve sa part. Ça fait qu'il y a une grosse masse. Et c'est... De toute façon, les gens ils peuvent pas aimer tous les titres. Même Dieu ne fait pas l'unanimité. Donc je préfère faire ce que j'aime déjà. Faire de tout. Et dans ce tout, bah, ils prennent ce qu'ils aiment. En tout cas, merci Makassi. Les prochains concerts ? Alors, je pars en tournée à La Réunion dès mercredi. Donc c'est pour ça qu'il va falloir que je repose vite ma voix. Après cette presta, et j'enchaîne avec la tournée. Là, j'étais un concert Fun Radio à Albi. On a bien retourné ça et on va enchaîner presta. Moi, en général, je tourne à 3-4 prestas par semaine. Donc, c'est compliqué de donner les dates. Alors, pour finir, Makassi, est-ce que tu peux nous chantonner le refrain du tube ? Lequel ? Qui passe actuellement en radio. Celui qui passe actuellement. Ça fait... Danse, 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 bébé, donne tout. Danse, 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 bébé, rends-moi fou. En dansant, fais-moi l'amour. En dansant, fais-moi l'amour. Voilà. Merci Makassi pour les reporters du net. Merci beaucoup. Avec plaisir, il n'y a pas de problème.